Good morning, allez, Yiden, et ce sera aujourd'hui le lundi, Patrick Sharon, Ben Fortuné Mazal, et Claude Israël, Ben Fortuné Mazal. Si vous souhaitez vous aider, une prochaine étude de chaque jour, 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet Ta'anit, Perek Bet Mishnah Bet. Amdo, Batfila, Bitfila, Moridin, Lifnei, Ateva, Zaken, Veragil. Veyeshlo, Banim, Ubeito, Rekam. Kide, Sheyelibo, Shalem, Batfila. Vomer, Lifneim, Esrim, Be'arba, Brachot, Shmona, Esre, Shepechol, Yom, Omosif, Alem, Od, Shesh. On a commencé à entrer depuis le début du chapitre dans le rituel que l'on faisait lorsqu'il fallait faire les tfilotes pendant les jours de jeûne, pour la pluie. Après qu'on avait fait les trois jours que pour les yichidim, les trois jours pour le public depuis le petit matin, les trois jours depuis le soir. Après on avait une série de sept jeûnes. Il y avait un rituel très rigoureux où il fallait se réunir tous ensemble sur la place publique et qui est. On commençait avec des paroles de réveil du vieux, du vieillard de la ville, qui nous disait, donc, comme ce qu'on a vu dans la mission précédente, il nous rappelait alors pour nous dire, Hachem, il attend notre tchouva, il attend pas qu'on fasse des belles actions et des belles filotes. Il attend essentiellement, après, une fois que tu fais tchouva, alors tu feras toutes tes filotes. Et donc maintenant, une fois qu'il nous a fait des paroles de remontrance, alors, Amdou Batfila, on pourra se lever et commencer à faire la tfila. Depuis Shacharit le matin. Et comment est-ce qu'on fait? Moridin et Finateva, Zaken Veragil. Donc déjà, on fera descendre devant la Teva, devant le pupitre où est-ce qu'on va prier, eh bien, un Zaken Veragil, une personne âgée et qui a l'habitude de bien prier aussi. Ouais, toujours. Pour tous les Yamim Noraim, on préfère toujours quelqu'un qui a passé au moins 30 ans, un Shader Tibour qui a passé, si possible. C'est quelqu'un qui a beaucoup plus de responsabilités dans la vie en général, donc il voit plus l'importance, en l'occurrence de la pluie ici. Mais Yeshlo Banim, en plus, on veut qu'il ait des enfants, ou Betoreka, mais qu'il n'ait pas l'abondance chez lui, qu'il ait une situation difficile, pour qu'il comprenne bien, qu'il vive bien la scène, que s'il n'y a pas de pluie qui va tomber, eh bien, le prochain été, ce sera très grave pour lui. Et comme ça, il va vraiment prier avec Achna'a, avec le cœur brisé. Kedei Sheyelibo Shalem Batfila, afin que son cœur soit entier et intègre durant la prière. Vomer Lifneem Esrim Be'arba Brachot. Alors là, lorsqu'on va faire la tefila comme d'habitude, et puis on va arriver ensuite à la Chazarat HaShaler Tzibur, la Chazarat du Shaler Tzibur, là, au lieu que le Shaler Tzibur va reprendre les 18 ou 19 brachot classiques, il va en rajouter encore 6. Donc 18 plus 6, ça fait 24, et c'est ce que la Mishnah me dit, qui va vomer les fnem esrim b'arba brachot, il va dire devant toute l'assemblée qui est là, les 24 brachot particulières, que Shmona esre shebechol yom, il va dire les 18 qui sont fixes dans toutes tous les jours de la tefila, et en plus, au Mosif Aléen, dans la tefila de tous les jours, au Mosif Aléen, au Tchèche, il devra ajouter encore 6 brachot supplémentaires, que, comme ce qu'on fait aujourd'hui, on rajoute le petit texte de Anenu dans son jeûne en jeûne public, là, on va voir justement qu'il y avait, en fait, l'équivalent de 7 brachot, en fait, à ajouter. D'accord? C'est-à-dire 6 brachot à rajouter, plus encore les 18 fixes, ça fait 24 au total. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha, Kol Tov, Salam.